on va sortir le sniper et... Oh! Oh! C'est quoi, c'est dinguerie? Oh mon dieu! C'est le meilleur sniper de Fortnite! Aujourd'hui, on va découvrir le chapitre 5 de Fortnite et je vais y acheter le tout nouveau pass de combat. Ça tombe bien les gars, parce que j'ai plus de 100 000 V-Bucks sur mon compte. Dans ma dernière vidéo, j'ai acheté 1 million de V-Bucks. Je vais pouvoir m'acheter le pass de combat. C'est parti les amis. Regardez ça, pass de combat déverrouillé, parce que j'ai le crew pass. Mais là, je vais l'acheter en entier. Regardez, j'ai 100 000 V-Bucks sur mon compte. J'en ai 900 000 derrière moi. Le problème, c'est que je ne peux pas tous les activer. On est limité. Bref, vous avez vu ma précédente vidéo. Là, ce qu'on va faire, les gars, on va acheter tous les paliers de passe de combat. Je suis trop excité. Boum, 100 niveaux, ça coûte méga cher. Bien sûr, avant d'acheter le pass de combat, on va mettre mon code créateur Jean-Fils. Hop, accepté. Merci et gros big up à toutes les personnes qui mettront mon code créateur. Et c'est parti, les amis. Oh là là, c'est quoi ça? Ok, je peux acheter, mais pas avec le truc là. C'est... Genre, si j'accepte la réduction, ça va me faire bugger mon jeu. Donc, on va acheter sans la réduction, petit à petit. Comme ceci. Ça, c'est vraiment dommage parce que j'aurais préféré avoir la réduction de 3600 V-Bucks. Mais bon, c'est pas grave. Mais c'est parti pour obtenir toutes les pages du pass de combat. Boum! Let's go! Mais non, on peut aussi débloquer des voitures dans un pass de combat. C'est un délire de malade. Je kiffe de fou. Et on a même des camouflages de voitures. Oh là là, j'ai trop hâte de tester et de lancer ma première partie. Et le dernier skin du pass de combat, c'est ceci, c'est Valeria. Ok, un skin féminin, il est plutôt classe. Et nous sommes partis pour notre premier game du chapitre 5 de Fortnite. On est déjà au chapitre 5 les gars, ça va tellement vite. Dites-vous qu'un jour on sera peut-être au chapitre 20 et je serai toujours en train de faire des vidéos sur YouTube. On saute du bus et on va aller à la première ville directement pour essayer de réussir à faire la victoire royale de notre première game. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Est-ce que vous pensez que cela est envisageable? Je n'en sais rien, mais on va essayer. On va essayer de prendre bien sûr un malin plaisir, à prendre du plaisir tout simplement. J'espère que quelqu'un ne va pas me tuer en début de partie. Objectif, faire un maximum de kills, au moins 10 kills. Allez, objectif 10 kills, c'est parti. Je spawn directement avec une SMG. Ok, c'est pas si pire. Frère, il y a plein de nouvelles armes, il y a que des nouvelles armes en fait. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un coffre avec un fusil à pompe et une AR, ça serait vraiment magnifique. Attention, j'ai quoi? Encore une SMG, c'est sérieux? Oh, une potion, ça c'est cool les gars, let's go, on va pouvoir se mettre les potions. Ah, ça a changé les potions. Regardez, on peut du coup boire des potions tout en se déplaçant. Ça, c'est vraiment cool, ça. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est des petites potions aussi. Ok, il y a tellement de nouveautés, les gars. J'ai trop hâte de tryhard et de passer mes journées entières sur ce chapitre 5 de Fortnite. Vous me connaissez, je fais un maximum de vidéos à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Donc, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Bon, je n'ai pas de fusil à pompe, c'est pas grave. Par contre, j'entends qu'il y a des gens dans ma ville. Et ça, ça m'intéresse, tu vois. Ouh, là, il y a un mec là. Là, il y a un mec. What? Ok, quand même. Oh là là, comment j'ai galéré, vous avez vu ça les amis? Oula, faut faire gaffe parce qu'il y a un mec dans le bâtiment juste ici en dessous. Le problème c'est que lui il a sûrement... Ah, il est là, hop, regarde ça. Technique de fou, je vais dans le ciel. Oh, il a un fusil à pompe. On va un peu s'éloigner les gars parce que je n'ai pas de fusil à pompe. C'est ça qui est problématique frérot, d'où j'ai pas de fusil à pompe. Ok, touché. Oh, il m'a mis une balle de fou frère. Il a un sniper, c'est pas possible. Bon. C'est très dangereux ce que j'ai fait, mais fallait prendre un risque parce que le mec avait un sniper. Je voulais pas m'attarder sur ce fight beaucoup trop longtemps. Il avait un fusil à pompe, ça c'est good. On va se le prendre, les gars. On a du coup 2 kills. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Let's go, les gars. C'est quoi ça? Wesh! Jure! Oh là là! Ah ouais! Ok, c'est bon à savoir. Ok, on peut se déplacer comme ça. Oh 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 oh! Y'a un mec qui est juste là. Wouah, la dinguerie qu'il m'a mise. Wesh. Il a une arme de fou, je me bats frérot. Oh non, il me rush. T'es pas sérieux mon gars? Oh, il s'est fait buter. Je me barre, vite. Non.
Bon, on est reparti pour une deuxième tentative. Cette fois-ci, je compte bien sûr ne pas mourir. C'est vrai que c'est très décevant. J'ai changé de skin. C'était peut-être le skin en vrai. C'est vrai que j'aimais pas trop le skin. Il était trop imposant. C'est parti du coup à Pleasant Piazza. On dirait pas Fortnite. Regardez la map. C'est un jeu complètement différent. Va falloir du temps pour qu'on s'y habitue. Mais à chaque fois, les gars, on s'y habitue. C'est parti pour looter la ville. Ok, dans cette maison, il y a aucun coffre en fait là. Wesh. Dans une maison, il n'y a pas de coffre. Regardez, il y a des gens dans le ciel là. Ouh, ils vont atterrir dans la ville. Sauf qu'ils seront quand même un peu en retard. Hein. Vas-y, attends, je vais essayer de les shooter. Toucher. Attention. Let's go, le premier kill. Il a même pas de temps de toucher le sol que je l'élimine directement. Mais... Wesh, les gars, vous êtes en retard. Hein. Vous êtes vraiment en retard, la vérité. Hop là, toi tu meurs. Merci bien. Au revoir. Tu retournes au lobby. Il y a un autre gars là-bas. Juste ici. Hop, touché. Crac. Mortadelle! Pleasant Piazza, c'est ma ville. J'ai l'impression que c'est carrément une ville italienne. Avec l'architecture et tout, ça me fait trop penser à ça. Dédicace à tous les Italiens qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, si t'es italien, n'hésite pas à me faire un commentaire avec le mot pizza. Comme ça, je pourrais vous reconnaître. Allez, attention. Ok, nice, c'est bon. On a des potions, ça c'est cool. Là, je vous le dis, les gars, je vais tryhard un maximum pour réussir à faire mon top 1 dès cette deuxième game. Ok, il est dans le bâtiment juste ici. Je l'ai vu, je l'ai vu. Vas-y, viens ici. Hop! Ok, nice, il m'avait pas vu, ça fait plaisir. C'est quoi, j'ai envie de tester la grenade là, c'est quoi ça? Wow, c'est quoi cette grenade? Attends, mais elle est méga cheatée cette grenade. Oh la dinguerie frérot, mais j'ai l'impression qu'on est pas tout seul hein, frère. Encore des gens en Pleasant Piazza. Il y a un sniper, vas-y, il faut trop que je tente le sniper. Oh, il y a une voiture ici, on va se la prendre. Oh, wesh les gars. Oh la dinguerie. C'est la voiture que j'ai débloquée dans le pass de combat. Oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. J'ai vraiment trop hâte qu'il débloque un maximum de skins et de nouveaux véhicules. J'ai cru voir qu'il y avait des Lamborghini qui allaient arriver, les gars. J'ai trop hâte de m'acheter ma première Lamborghini dans la boutique Fortnite. Je sais pas si ça va être dans la boutique. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais tout faire pour avoir la plus belle des voitures. Il y a un mec qui est en dessous, dans le bâtiment, juste ici. Oh, il est juste là. Tu sais quoi, je vais essayer d'exploser. Attention. Oh, ah ouais, c'est une grenade collante du futur mon ref, hein, ça c'est vraiment, ça fait un maximum de dégâts. Et à ça aussi on va laisser les casser pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un meilleur stuff. Ok nice, il y a une grosse potion juste ici, on va se la boire. Ok, on commence bien cette deuxième game, là je suis confiant en vrai. On va bien sûr activer un contrat pour savoir où est la position de l'ennemi le plus proche. Comme ça on va le traquer. On a toutes les armes qu'il nous faut, j'aimerais trop débloquer une arme golden les gars pour voir à quoi ça ressemble. Allez, on va prendre notre petit véhicule et direction chercher le prochain ennemi. Déjà cette voiture elle est beaucoup trop belle. Je sais pas c'est quoi comme voiture, ça ressemble fortement à une Mustang même si je sais que c'est pas ça. Jure, il y a un Clash G juste ici. Mais non! Mercedes Clash G. Oh là, ça c'est un 4x4 de fou. Nice, on peut recruter quelqu'un, ça fait plaisir. On va avoir de l'aide les gars. Oh. Ok, j'ai pas réussi à lui mettre la balle de sniper, mais il y a son poteau juste là. Ok. Oh, le bruit du sniper, il est violent mon ref. Aïe aïe aïe, ça s'annonce très très bon. Ça s'annonce vraiment très très bon pour la suite. J'ai kiffé Fortnite OG, je pense qu'on a tous kiffé. Retourner au chapitre 1 de Fortnite. Mais c'est vrai que là du nouveau, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. J'ai très très hâte de tryhard pendant de longues heures ce chapitre 5. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Une note sur 10 tout simplement, voilà c'est très simple. J'allais dire, imaginez là comme on a un Clash G. Imaginez, il y a déjà des Lamborghini. Il y a moyen, c'est juste peut-être que je suis pas dans la bonne ville. Oh, le lama, let's go le lama. Oui, j'avais peur qu'il retire les amis. Oh, le lama ne bouge pas. Le lama ne bouge pas les gars. Oh, c'est le lama à l'ancienne les gars, let's go. Eh, vous savez quoi, je vais prendre des grenades répulsives comme ça. On va jouer comme as frérot, pas besoin d'SMG. Par contre, oh, il y a le train. Il y a le train les gars. Oh, j'ai envie de stopper le train avec le véhicule. Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Imaginez la dinguerie, j'arrive à stopper le train avec le Clash G. Attention, voyons voir. Crash test les amis. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est sur le train. Donc on va essayer de faire attention, je vais me cacher juste ici. Et attention le Clash G. Non. Non, malheureusement, un véhicule ne peut pas stopper un train. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le train ou pas, les gars? On est dans le train mouvant. C'est incroyable. Oh, je kiffe de fou. Ah, par contre, non. Le train va dans la tempête. Ah, non, malheureusement, ça, c'est grave dommage. Vous savez quoi? On retourne dans le Clash G. C'est parti, direction la zone pour chercher après d'autres ennemis à éliminer. Mais en parlant d'ennemis, j'entends qu'il y en a qui sont juste là, frérot. Wesh, qu'est-ce qu'ils font dans le buisson, là? Qu'est-ce qu'ils font dans le buisson, bref? Okay.
Nice, la double kill. C'est vraiment phénoménal ce qu'ils nous ont proposé, les gars. On a déjà 8 kills. Les gars, si j'arrive à réussir à faire le top 1 dès cette deuxième game, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je compte sur vous pour vous abonner, les gars, ok? C'est le deal. Allez, c'est parti. Je pense qu'il va y avoir du monde en face. Ok, ils sont en train de se fight. En face, j'entends des bruits de tir. Regardez-moi comment le jeu, il est méga beau. Alors que j'ai mis les graphismes au minimum, ça rend vraiment le jeu méga réel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Ok, c'est ici que c'est en train de se fight, les amis. Attention. Hop, on va sortir le sniper et... Oh! Oh! C'est quoi, cette dinguerie? Oh, mon Dieu! C'est le meilleur sniper de Fortnite! Ok, je l'ai dit, les gars. J'ai dit les termes. C'est le meilleur sniper de Fortnite. Il est où, là? Le dernier est juste ici. Oh là là! Oh, les sensations, mon ref! Oh, c'est pas ce qu'on a d'habitude, mais c'est agréable de fou. Hein. On va pas se mentir que là... Oh, oh, oh. Attends, c'est pas terminé, frère. Il y a tout le monde, frérot! Qui est touché. Ok, nice, ça c'est fait, les gars. Et rien que pour ça, les gars, je compte sur vous pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. Non mais sérieusement, non mais sérieusement. Allez quoi, allez, 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 c'est trop bon. C'est trop bon, c'est le meilleur sniper. Frérot, c'est une dinguerie. Donnez-moi une arme légendaire, frérot. J'ai tué 13 personnes, il y a personne qui a d'arme légendaire ou épique là, c'est une blague. J'aimerais bien améliorer mes armes pour voir ce que ça donne. Frérot, vous avez vu le nombre d'headshots que j'ai mis avec ce sniper? Il est méga précis, méga rapide. Oh oh oh. La bonne nouvelle, c'est qu'on rentre bientôt dans le top 10 de cette partie. Ça, ça fait plaisir. Ouh. Ok, lui je l'avais pas vu. Oh, il avait une scar. Il avait une scar épique avec aussi un viseur. Ok, ça c'est bien, ça c'est good, ça ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'il foutait là. C'est vrai que visuellement dans une forêt avec autant de détails, c'est difficile de voir les ennemis. En tout cas là, on a fait un massacre dans la forêt. Le jeu, il me fait grave penser à Call of Duty. Call of Duty, c'est un jeu que je kiffe énormément et que j'ai tryhard pendant longtemps. C'est un de mes jeux préférés, tout simplement. Et je kiffe le sniper sur Call of Duty. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur Warzone. Ok, par ici, c'est en train de se fight, les gars, toujours. Oh, il y a un mec juste ici, attention. Ok, la sniperisation a été faite. Mais attends, mais je suis tombé dans un lobby. Tout le monde est nul ou c'est comment, là? Je comprends pas. J'ai raté aucune balle de sniper, hein, pour le moment, c'est une dinguerie. Je comprends pas pourquoi je suis dans un lobby comme as. Là, on est plutôt bien, les gars, en vérité. C'est en train de se fight juste ici. Ok, nice, c'est bon, j'ai eu un kill. Il reste une team de deux. Ok, solo versus duo. Comment est-ce que je vais réussir à gérer la situation? C'est quoi? Je vais leur mettre une balle de sniper dans leur crâne. C'est mon objectif. Par contre, oh, ils sont là, ils sont là. Mais à quoi ils jouent, lui? Vas-y, tu sais quoi? Je vais essayer de casser. Je vais essayer de casser son octane. Ok, il est sorti de son octane, ça c'est très très bien. Ouh, faut faire gaffe, les gars. Ok, les gars, il y a la zone qui est en train d'avancer pour le moment. On va faire gaffe parce que là, je stresse de fou. Hein. Il faut absolument que j'arrive à réussir à faire le top 1. Au moins pour débloquer le parapluie, ça serait franchement efficace de fou. La vérité, je sais qu'ils sont tous les deux sur l'île volante. Ils ont un avantage considérable par rapport à moi, les gars. Vas-y, tu sais quoi, je pense que je vais prendre la faille. Comme ça, je vais me dépasser directement en zone. Est-ce qu'ils sont là? Oh, attends, la strat de fou, ça serait que j'arrive à me mettre sur le toit de cette maison juste ici. Ok, c'est bon, on a la zone. Oh, il est en train de tirer sur mon NPC. Il a cru que le NPC, c'était moi, les gars. Ok, ok, ça, c'est bon. Il a pas réussi à me toucher. Moi, par contre, je te touche, mon ref. Ok, nice. Ça fait un mort. Attention, le deuxième, faut faire gaffe. Attends, je vais me mettre ici, au-dessus. Oh, il est là. Let's go. Première victoire royale du chapitre 5. Let's go, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'aurez kiffé. Tu peux cliquer juste ici pour voir une autre vidéo. Juste là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour un pas les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss.